Notre jeu à nous est une étoile, où moi aussi j'aimerais briller un peu. Avec Jean-Luc on chante, on rit, aux douze coups de midi. Et tout le public est ravi, aux douze coups de midi. Alors là... Maintenant, tout de suite, nous allons faire la fête. Est-ce que le public est prêt à faire la fête? Oui, mamie Mounette, allez-y, lâchez-vous. Oui. Tout le monde, tout le public. Émission rock and roll. Alors, chers amis qui êtes chez vous, assis dans le canapé ou dessus votre table, en train de siroter un bon petit verre. Bien frais. Oui, oui, oui. Alors voici le début des 12 coups de midi et on appelle ça le coup d'envoi. Paf ! Et c'est tout. Birgit, est-ce que vous êtes prête ? Ich bin prêt, diabol. Ich bin prêt, diabol. Dans quelle expression le mot bœuf peut-il remplacer les pointillés ? Oui. Bon. J'ai le droit de changer de question de. Non. C'est enregistré, là, dans la boîte, là. Là, bah, là, il y a tout qui est enregistré, là. Ah, oui, je suis foutu. Dites-nous... Dès que je suis un peu long... Oui. Achou ! Merci beaucoup. Je vais me retourner vers Mélissande, c'est une question en rugby. De toute manière, vous êtes calé au bout d'un moment. Non. Vous auriez dit quoi ? Non. J'aurais dit non. Vous auriez dit faux ? Ouais, parce que j'ai envie de contrarier tout le monde, donc j'aurais dit non. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter l'intitulé Fernand d'un champion aujourd'hui? Ah, dans quelle expression le mot bœuf peut-il remplacer les points? Les bœufs, c'est les trois points, on est d'accord? Ouais. Bon, donc on peut remplacer les pointillés. Eh ben, ce qui remplace les pointillés, c'est le cheveu. Avoir un cheveu sur la langue. Je vais quand même pas dire avoir un bœuf sur la langue, quand même. Quand même. Ah oui. Aussi, tout ce qui est dit. Ah, c'était un peu long, je suis désolé, oh, Karine. Pardon, excusez-moi. Ça va bien se passer. Il y a la longueur totale du sabre est de 105 cm, alors que celle du fleuret est de 110. C'est ce que je disais, c'est pareil. C'est la même chose. Oui, enfin, ta femme allez. À 5 cm, elle va voir la différence. Une petite démon, Jean-Luc. Mais évidemment, bon. J'en brûle d'envie. Mais évidemment, ça... Attention, attention, Dominique, c'est carte blanche. Le petit coq babé. Le dindon. Ça, c'était la basse-cour. Si vous étiez un animal, Marie, quel genre d'animal seriez-vous? Des enfants Une fille et demi. Et demi. Et demi. La demi, c'est... C'est mon petit Yorkshire, Brandy. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je la caresse plus que mon mari. Voilà. C'est mon bébé. Moi, j'aime les moules marinières, comme les aimait ma grand-mère. Ouais. J'ai un petit chien qui s'appelle Beethoven. Oui. Et un perroquet Oscar. Il joue et tout. Alors le matin, je me lève. Oui. Il me dit, bonjour ma petite poule, ça va toi ? Il vous dit ça? Oui, mais s'il est en colère, il me dit « Ça va, ma petite poule ?» Il est imitateur, en ah, plus. Ah oui, je sors la boîte à outils, fais la perceuse. Il fait la perceuse? Oui. Oh, 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 oh. Non. Chincha chi la shemme chingzi zhe shu yi ge you tong. Attendez, pensez à moi. Même pour les produits de beauté, je conseille à toutes les femmes de se mettre de la bave d'escargot. Elles rajeunissent de 20 ans. Mais non ! Mais oui, Jean-Luc. Mais ça, ce serait quand même extraordinaire. Mais oui, Jean-Luc. Et ça marche sur les hommes aussi ? Partout, oui. Partout. Pour tout le monde ! Pour tout le monde ! Pour tout le monde ! Oh.
La meute de chiens. Ah, il s'est fait marcher sur la queue, celui-là. Allez-y pour le chameau, juste pour voir, puisqu'on y est. Et le petit sait faire aussi quelques bruits d'animaux. C'est pas vrai. Il fait quoi, le petit, dit ? Il fait le canard. Ah, attention, Pierrot canard. Mais c'est pas vrai. Douce coune midi, douce coune midi. Utopia, un jardin là-bas. Merci. Oui, je suis la sorcière. Zut. Je fais bouillir des cordes de pendu. Je mange des crapauds, des rats tout poilus. Je fais des potions pour séduire les hommes. Puis je les mords quand ils dorment. Où l'or n'attire pas, où l'eau ne manque pas. Stop, André, question. Mais vous avez fini de rire, André, franchement. Non, c'est pas très gentil, André. Ah, c'est pas gentil. Pardon. Faut juste rigoler pour jouer au 12 coups de midi. 12 coups de midi, 12 coups de midi. Il est déjà midi et moi je rêve d'être le maître de midi. Mesdames, dames, des hauts. Oh, oh, oh. Les chasseurs, les chasseurs, reprenez dans les doigts tous en cœur. Allez, gire. Allez, boogie, boogie, avant de faire vos prières du soir. Allez, debout le public. Ne faites pas de boogie boogie avant de faire vos prières du soir. J'ai moi les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des temps sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend des cris dans New York et les bâtons sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour tes torrents, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où tes bras me serrent. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Bam, bam, bam. Yeah. Moi j'ai ça dans l'île matin. Bonjour chérie. Qu'est-ce que vous chantez alors? Et je chante du Jacques Brel, surtout Jean-Luc. Qu'est-ce que vous chantez, Jacques Brel? Une valse à mi-temps. Allons-y, au revoir. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant et beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour a fait suite au printemps. Non valse... Ah bah oui. Ah bah oui. Mais les yaourts, je mange toujours périmés. Parfois même, je les achète périmés, c'est moins cher. Moi, ça, je trouve ça... Vrai. Non, mais attendez. C'est vrai. Hey. C'est... Qu'est-ce qu'il fait chez vous, Daniel? Il fait tout. C'est-à-dire? Il bricole. Oui? Il bricole beaucoup et il est un merveilleux plieur de string. Faut beaucoup de patience. Oui, par exemple. Par exemple, Roméo et Juliette. Oui, qui donne. Dans lequel j'interprétais Madame Capulet, la marchande de poissons, sur le marché de Vérone. Ah, qui sont bons mes maquereaux, qui sont frais. Eux tous la queue en l'air au moins. Hein. Oui, bah, écoutez, pas comme certains. Oui, merci, merci, Janine. Et moi? 15 000 euros. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 15 000 euros? Dites-moi tout. J'ai changé la vieille. Oh. Raymond! La vieille voiture! La vieille voiture! Quand même! Si vous étiez un instrument, vous seriez... Je serais un piano. Pourquoi? Parce que j'aime bien me faire frapper dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Fabien? Des fois, quand on va se coucher... Oui? Je suis pas très sage. Vous êtes pas très sage? Non. Non? Donc, ma femme, elle me tape sur les fesses. Ah! Valentin, est-ce que vous faites du sport? Oui. Quel genre de sport? Musculation, Jean-Luc. Ça se voit? Zed m'a dit que vous étiez radin. Très radin. C'est-à-dire, Louis? Bah, sur Internet, j'ai vu que je pouvais avoir des couches gratuites, même s'il n'y a pas de bébé à la maison, j'en ai commandé. Vous vous épilez aussi sous les bras, tout oui. ça? Oui. Sous les bras? Oui, les aisselles.
Et alors, évidemment, tout le monde se pose la question. Oui. Adepte du planking. Le planking, c'est le fait de se mettre à plat, comme sur les photos, oui, dans des situations banales ou très, très compliquées. Ok, c'est dingue. Ah ouais, c'est dingue, oui. Ah oui, alors voilà. Voilà, c'est ça, vrai. C'est voilà, extraordinaire. Belle blanche. Je suis un petit peu gaffeuse, donc là, j'espère... Vous êtes gaffeuse. Oui. C'est-à-dire, Angélique Des fois, je fais les choses deux fois. Ça m'est déjà arrivé de me doucher deux fois ou par distraction. Regardez, adepte du planking. Et qui plus est, Alban, je vais faire quelque chose d'extraordinaire parce que je vais buzzer avec vous. Ah, buzzons. Et là, vous l'aurez jamais eu, la photo. Eh bien, j'ai appris à presser le fruit du bananier pour faire monter la sève au régime de banane pour faire grossir les bananes. Demain, les enfants, tout sur la poire. Ce que je ne vous ai pas dit, oui, c'est que la ville de Jargeau, il y a une spécialité, et c'est l'andouille de Jargeau. Et il y a une confrérie des chevaliers du goût-andouille qui valorise ce produit. Du goût-andouille? Oui, et un des grands maîtres de cette confrérie du goût-andouille, oui, est notre ancien président de la République, Monsieur Jacques Chirac. Ah, ça m'étonne pas. Ah, ça calme, hein? Mais mon surnom est Elastic Man. Oh! Attendez, attendez, attendez. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Elastic Man. Attends, stop, 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 stop. Vous oubliez des choses, vous passez... Ouh, j'oublie de serrer le frein à main, alors ma voiture, elle descend, et le matin, je crois qu'on me l'a volée. Puis en fait, je l'ai retrouvée dans un poteau. Non, c'est contrariant, hein. Regardez, il a la peau qui s'étire, Z. Oh là 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 là. Mais les joues aussi? Là. Là, le cou? Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Plus oui. Ah, oh, oui. Oh, moi j'aime ça. Hein. Oh, c'est fantastique. Oh, oh oui. Oui. Marié, 50 ans. Oui. À ma petite bibiche. Que j'aime et que j'adore. Et si je l'aime et je l'adore. Mais elle n'est pas pu venir, elle est malade la bibiche. Elle est au lit aujourd'hui la bibiche. Elle est comme ça la bibiche aujourd'hui. C'est pas vrai. Mais si c'est vrai. Elle est carpette. Elle est carpette. Mais non. Mais si. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la météo. Je veux dire, Jean-Luc, au bout d'un moment, Maïté, c'est évident, c'est la vie. Oui. Il faut manger la tartiflette. Mais oui, la tartiflette, oui. Le reblochon, Jean-Luc, hein, oui, voyons. Le reblochon, les frites, les moules frites, c'est évident. Et Monsieur Sarkozy. Je dois dire, Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me poser des questions. Oui, et vous allez tenter d'y répondre. Je vais y répondre. Vous êtes sûr? Je vais essayer. Vous allez y répondre ou pas? Alors, en bien ou en faux, mais je vais bien réessayer. Essayez de répondre. Je tiens à préciser, enfin, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Hein, oui. Vous êtes une femme. Ouais. Pourquoi? Je crois qu'il faut qu'on file. Fais attention à toi, je vais t'attraper avec mes griffes. Nom d'un fa, nom d'un fa. Laissez-moi poser la question, c'est moi le gros minet ici. J'adore ça, Jean-Luc, c'est énorme. C'est énorme. Je veux dire que c'est énorme, mais... Jérôme, dans François Hollande, Jérôme. J'ai pas mis de cravate aujourd'hui. Oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Attends, oh là là. J'ai trouvé mon maître, Zayt. Moi, je suis content. Oui. Il y a un public. Oui. Mais ils sont tous là. Oui. Eh bien, c'est la première fois que j'en ai autant. Oh, c'est beau. Zayt, si vous me cherchez, je suis là. C'est vous qui y vois dans le rouge. C'est toi qui me parles? Oui, je te parle. On dirait que je suis dans un rouleau pour laver ma bagnole. Ah, attention, le duel. Attention, parce que quand il est pas content, il fait... Cette question est retenue. Soit ce sera Claire. Soit ce serez vous.
Soit ma chienne. Je suis la décousante. J'ai la rigolade. Vous avez le choix entre un des deux. C'est à vous de choisir. Alors moi je dis quand même 1m81. 14. 1m94, 1m69, vous voyez. Lequel choisissez-vous? Alors ben, je vais choisir le nain. Le nain. Mais non. C'est pas possible. Janine, vous allez me... Mais alors, attendez. Oh, je suis détruit. Vous l'avez détruit. Je dirais Marilyn Monroe. Vous dites... Marilyn Monroe. C'est bien ce que j'avais entendu. Marilyn Monroe. C'est la première fois que j'entends ça. Il va vous subtiliser vos 20 000 euros. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a, Janine? Quoi? Vous voulez pas? Oh non. Mais c'est la règle du jeu, Janine. Oh. Vous allez retrouver celui que vous aimez depuis plus de 54 ans. Oui. On l'a... Regardez, aimé, là! Je suis là! Lancez un message d'amour à votre aimé. Ben, j'espère que tu vas me rapporter et arrêter de me coûter. Alors ça, c'est un message d'amour comme j'ai jamais entendu. La Belgique a de l'humour, Jean-Luc. J'espère que tu vas me rapporter. C'est vrai que ma maman, je suis une obsessionnelle du ménage. C'est-à-dire, vous avez toujours l'aspirateur à la main? Toujours. Mon aspirateur, c'est mon amant. C'est... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que... Il est de jolies couleurs roses comme moi. Mon aspirateur et mon amant. Et vous, alors, la vie... Ben, j'ai une chatte qui s'appelle Ayrton. La chatte Ayrton, parce qu'elle est très collante. Il aspire bien. Un super suceur. T'as un frère et une sœur? Non. T'en veux? Non, mais maman, elle veut pas. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle te répond quand tu dis j'aimerais bien avoir une sœur ou un frère? Bah, regarde, je peux avoir un petit frère ou une petite sœur. Tu prends un stylo, une feuille, tu vas dans ta chambre et tu te la dessines. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Radouane? Bah, je sais pas du tout m'y prendre, moi. Je suis célibataire. Ouais. Et j'arrive pas à m'y prendre avec une fille, je deviens tout rouge. Ah bah non, il faut rester au vert, Radouane. Vous êtes accompagnée dans la vie, Magali? Non, je suis célibataire. Très bien. Vous recherchez... Je cherche un miracle. Vous cherchez un miracle? Oui. Zaytun. C'est moi. Zaytun, vous regardez, s'il vous plaît, dans le catalogue. Oui, d'accord, je feuillette tout de suite, écoutez un brin, bien. Un brin de préférence. Voilà, je feuillette. Un brin? Un brin, pas de problème, oh Lolo, j'en ai un magnifique. Alors, qu'est-ce que vous avez en catalogue? Quelle couleur des yeux? Les yeux, peu importe. Les yeux, peu importe. Bah, qu'il on en a ait... tout. Qu'il en ait deux. Il faut qu'il ait deux yeux. Bah, ça, c'est plus difficile, Magali. Vous êtes tout de même un petit peu difficile sur celle-là. Alors... Deux yeux, d'accord. J'en ai un. Vous en avez un? Oui, qu'on a deux yeux. D'accord. Vous habitez où, Magali? À Saint-Priest, dans le Rhône. Dans le Rhône? Oui. Vous êtes, ça, c'est... Dans le Rhône? Oui, bah, dans le Rhône. Oh, puis il n'est pas cher. Ah oui. Je crois pas que vous soyez sur le bon catalogue, Zed. Zed, vous êtes... Il est livré sous 48 heures, celui que je viens de voir avec deux yeux. Ça, c'est merveilleux. Mais moi aussi, je vous aime, mademoiselle. Ça va, mademoiselle? Ça va? Qu'est-ce qui se passe dans le public? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que ça ferait... Ça va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'aimez, mais c'est bien. Mais moi aussi, je vous aime. C'est de votre famille ou pas, Catherine? Non, pas du tout. Pas du tout, non, parce que j'aimerais bien faire un truc pour vous, sans rire, hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On se marie. Mais j'en ai 20 de plus que vous, et puis j'ai jamais été mariée, c'est pas quand même maintenant, oui. Quand même. Oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne scène. Vous êtes là, la force et Prends la virilité. Voilà, allez-y. Oh, qu'est-ce que... On fait quand même un beau couple. Hein. Mesdames et messieurs, Tom et Marty. Martine, vous êtes extraordinaire.
Mais vous n'avez pas tout vu encore. Ah, comment c'est ça, ça, Jacques? Attends. Fafa, il va saigner du nez. Il va saigner. Une femme, ça a toujours mal la tête, mal au ventre. Voilà, quoi. Je mesure 1m52. 1m52. Moi, ça me suffit. Par contre, j'aime bien les hommes vraiment grands. C'est-à-dire? Oh, au-delà d'un mètre, on va dire 1m80. Pas en dessous d'un mètre 80. Ben, si c'est un peu en dessous, genre 1m79 et demi, on va pas chipoter. Je vous comprends. Vous aimez les chauves? Ah ben oui. C'est ce que disait Zette. Je suis chauvophile, j'adore. Qu'est-ce qu'ils vous... Ah, je sais pas, je trouve ça sexy, un homme chauve. Hein, je suis désolée, mais Felice, il est déjà marié. Ah bah, je sais, bah tant pis, hein, Felice. On peut négocier, hein. Je suis pas mariée. Hey, Felice, mais vous allez vous calmer, non? Alors, on danse, mesdames et messieurs. Alors, Julia. Travailler ça? Oui, ben ça se travaille. Sinon. Parce que c'était le reculé que vous avez ah, fait oui. tout à l'heure. Ah, alors, attention, en reculé, regardez, le projeté reculé Z. Regardez Z. Oh là là. Mais ça c'est beau ça. J'adore. Sophie a décidé de passer l'été aux 12 coups de midi. On fléchit. Fléchissez. Ensuite, le coupé décalé, on coupe et on décale. On coupe et on décale, attention. 1, 2, 3. Coupe, décale. Coupe, décale. On descend. On monte. C'est parti. 1, 4, 5, 6, derrière, devant. Vous avez un super look 70s. Regardez ça. C'est bon ça, oui. Derrière, caméra et... Allez, machine! Oui, machine, oui! Oui! Regardez notre chorégraphe! La danse de la tondeuse. On est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. On a le vrai! All the single ladies, 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 all
Parlez-nous de vous, Liliane. Alors, ben voilà, Jean-Pierre... Jean-Pierre... Il y a l'autre, il y a... Hakuna Matata. Pardon. Mais là, chez nous, on est à la télé, vous savez, Agnès. Et en plus, il est de chez moi, Emile Zola. Et ouais, je crois qu'il est d'Aix, hein. Alors... Ah non, c'est Paul Cézanne. Oh, oh, le boulet. Et Proust, est-ce qu'on fait un petit Proust? Oh, excusez-moi, c'est parti douce. Je suis désolé, depuis que j'ai appris qu'il y avait bonasse dans le dictionnaire. Bombasse, pardon. Bombasse. Pas bonasse. Excusez-moi. Si toutefois vous voulez un verre d'eau, un fauteuil, quelque chose, vous n'hésitez pas. Hein. Oui, tout est parfait. Tout est parfait? C'est pas parce que j'ai 80 ans qu'il me faut de l'eau, un fauteuil et tout. Hein. C'est vrai? Je crois que je vais aller me chercher une veste. Chanteuse favorite? Oh, c'est pas tout jeune par contre, j'aime bien Edith Piaf. Ah bah c'est même mort. Oui, mais c'est toujours d'actualité. Ah mais ça je me doute, bien sûr, c'est pas tout jeune. Mathieu, imite Jean Lazavour. 18 ans, j'ai quitté ma promesse. Merci Mathieu. Attendez, attendez, Jean-Philippe, c'est à vous. J'ai Christophe Maé, si vous voulez. Ah oui, passez-le moi alors. Ça fait mal. Merci Jean-Philippe. Très, très drôle, Jeanne. Moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Mes femmes m'ont oublié, je suis tombée, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir. Quelle balade. We could have it all. Wow. Rolling in a deep. Hey, hey. Bonjour, qui je suis? C'est Jean-Luc. Jean-Luc, Jean-Luc, en plume, plume. Mon truc en plume. Je viens de me voir dans l'écran de contrôle. C'est quoi? C'est le pont? Non seulement je suis artiste peintre, oui. Je fais particulièrement des portraits et des nus, oui. Et j'ai un petit cadeau pour vous. Mais c'est pas vrai! C'est la journée des cadeaux! Mais non, mais c'est pas vrai! Ah! Alors ça, c'est différent comme matériel. En fait, c'est un truc... Oh, bon, j'essaierai tout à l'heure. Je me suis pété la couronne de devant. Regardez ça. Alors? Ah bah oui. Vous êtes à droite ou à gauche? Moi, je pèle le poivron. Okay. Ah oui, 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 pour la digestion, c'est mieux. Est-ce que vous vous pelez le poivron de temps en temps aussi pour mieux le digérer? Je suis en train de réaliser ce que je viens de dire. En plus, j'adore la lunette. Faudra que je m'y mette un jour, hein, quand je serai plus âgé, quand j'aurai passé les 40 ans. La chat qui au pianga
Jean-Baptiste, s'il vous plaît, la Franche-Comté, écoutons. Ben alors. Ah oui, dès qu'on parle de Marseillaise, hein, les footballeurs ne chantent plus. Hein. Pardonnez-moi, oh, j'ai un petit morceau de papier coincé dedans. C'est ça. Instant, Jean-Luc. Voilà, vous tenez simplement par là. Il s'appelle comment? Juste Cachou. Cachou. Et on va faire quelque chose de sympa. On va déposer tout simplement Cachou. Oups, ici. Oui. On va ouvrir la petite boîte. Oui. La petite boîte. Et Cachou dans la boîte. On va fermer quand même la grille. Oui. Voilà. Bien sûr. Et on va fermer. D'accord. Et j'ai le plaisir de vous présenter le véritable Cachou. Non. C'est. Non. C'est Jean-Luc. Mais c'est pas c'est vrai. Possible. C'est pas vrai. Allez-y, je vous non, en prie. Non, c'est mignon comme tout. Regardez ça, comme c'est mignon. C'est mon petit Cachou. Alors, vous savez que les métaux oui. ont une particularité. Oui. Lorsqu'on les chauffe un tout petit peu, oui. leur forme moléculaire se transforme. D'accord. Si on secoue la cuillère, on a l'illusion qu'elle est molle. Oui. Mais ce n'est qu'une illusion d'optique. Oui. On peut donner aussi l'illusion que la cuillère se tord à vue. Ah non. Ah si, si, on peut donner l'illusion que la cuillère se tord à vue. Ah carrément. Non. Carrément, carrément. Non. Et là, elle casse. On peut tamiser un peu les lumières. Mais attendez, on peut tamiser tout ce qu'on veut. Hop, regardez, paf. Bravo à la... Alors là, il y a une regarde, réaction. Vous voyez bien que j'ai rien dans les mains, Jean-Luc. Vous n'avez rien dans les mains, c'est regardez vrai. Regardez ce que je arrive à faire. Je la mets dans mon oreille. Et regardez, Jean-Luc. Et je la ressors par ici. C'est beau, ça. Merci. Vous êtes prêts? Non. Non, mais de toute façon, on va y aller quand même, donc oui. Oh non, mais ouais, je peux attendre un peu, vous ouais. inquiétez pas. D'accord. Top. Quel ingrédient de la sauce gribiche est produit par la poule? Le bouillon. L'œuf. Comment s'appelle le petit morceau de bois que l'on s'enfonce parfois dans le doigt? Une bûche. Une écharde. Quel est le surnom des joueurs de l'équipe de foot de Nantes? Pas les citronniers, non, mais je sais plus. Les canaris. Top. Lorsqu'on s'est compromis dans une situation, quelle partie de l'oiseau dit-on s'être brûlé? La queue. Non, les ailes. De quelle couleur sont les petits pois? Noir. Vert. Excusez-moi, à 10 secondes 18, les petits pois noirs, pour moi, c'est pas possible. Mais parce que ma fille, elle a un t-shirt blanc et noir. Les petits pois noirs, ça, c'est pas possible, madame. D'un côté, je suis pas très cuisinière, hein, ça peut se comprendre. Stéphanie, ça se voit. Quel âge tout rond a eu Jacques Chirac le 29 novembre 2012? 56. 80 ans. 56 ans, Jacques, en 2012. Ah, elle aimerait bien être comme lui à son âge. Quelle est l'avant-dernière lettre du mot doigt? X. Le G. Top. Quelle matière grasse animale utilise-t-on pour préparer une pâte feuilletée? Du beurre. Et passe. Je vais prendre le beurre parce que c'est la bonne réponse, donc ah, je vais pas passer. C'est merci. Ben, merci à vous. Quel est le pluriel du mot monsieur? Madame. Monsieur. Top. Quel établissement est parfois appelé familièrement un gastro? Un hôpital? Ah non, c'est un restaurant. Quel titre de série télé peut se traduire par femme au foyer désespérée? Desperate Housewife. Vous avez dit, pardon? Desperate Housewife. J'adore. Bah, Alexandre, qu'est-ce que... Ne me regardez pas comme non, ça. Non, 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 non. C'est ce que c'est que la drosophile, vous? Bah, il me semble, oui. Philippe. Oui. Vous savez, vous, ce que c'est que la drosophile? Bien sûr que non. Ben ouais. Bien sûr que non. Xavier Emmanuel Kant. Né à Königsberg, mort à Königsberg, au siècle des Lumières. Oui. Je
pas, au hasard, 1710, 1776. Il est né en quelle année ? 1724. Oh, vous faiblissez, ah non, Xavier, c'est... vous faiblissez. Là, c'était... On déploiera la grande échelle, mais on l'aura, vous inquiétez pas. Regardez, regardez-le. Regarde, hein, il nous nargue, hein. Limite, vous savez quoi ? Il se la pète. Un petit peu. Regardez-le. Vincent, vous avez une idée derrière l'eau ? Je crois que très prosaïquement, il descend pour faire ses besoins. Prosaïquement, l'autre, il balance des mots comme ça, non, là. Non, mais le gars, très là. Pro... Hein ? Non, mais le gars, là. Quoi, le gars ? Mais il se prend pour qui, lui ? On dirait un maître de midi, l'autre. Il se la pète, moi, je prosaïquement prends. Hein ? Dis-lui, toi. Bah oui, je te le dis. Oh, non ! Admettons qu'il y a... Admettons, le gars, il a raison. Non. Admettons, qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre ? Demande à la régie, Ludo. Zette, derrière oui. L'autre, il y a quoi ? Alors, Ludo, derrière l'autre, je finis mon petit bon bec, il y a pour faire ses besoins. Tiens, donc, très prosaïquement, on dirait ce qu'a dit le maître de midi. Et l'autre est en train de bouffer un bon bec dans la régie. J'aime bien, en fait, non. C'est un petit chocolat. Non, mais attendez, mais on est où, là ? Mais Ludo, et dis-lui nous, à Zette. Et puis nous, Zette, on n'a pas de bonbons, nous. Oh, non, ben, mais... flûte. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui, Michel ? Ma fille et ma petite fille. Oh, c'est mignon. Elle s'appelle ? Chanel. Bonjour, Chanel. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Tu lui fais un bisou ? Merci. C'est tout, Michel. Bah, j'ai envie qu'il gagne et ce sera toujours le meilleur pour nous, même s'il gagne pas. Ça, c'est beau. Regardez. Un petit message d'amour à papa. Bonne chance, papa. Tu prends bien sûr l'argent du maître de midi. Qu'est-ce que tu chantes alors, Benjamin ? Oh, je chante de tout, de la pop, etc. De la pop ? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous chanter, là, pour tout le monde, là, un petit peu ? Hein ? I was born this way, because we born this way. I'm on a right track, baby. I was born this way, because we born this way. Because we born this way, I'm on a right track, baby. I was born this way. Hey, attends, Marie. Il faut pousser le petit. Oui, bah j'ai mis le paquet, hein, c'est le dernier. Attendez. Je choisirais Mathieu. Ah. Alors, pourquoi tu choisirais Mathieu ? Ça, c'est important, Adrien, dis-moi. Bah, parce que... Il est rigolo et comme je pense qu'il est rigolo, il est pas très cultivé, je pense. Ça va bien ? Avec papa, est-ce que ça se passe bien ? Oui. Tu lui dis de temps en temps que tu l'aimes ? Oui. Bon, tu veux bien lui dire, là, s'il te plaît ? Je t'aime bien. Alors, entre je t'aime bien et je t'aime, il y a une petite différence. Est-ce que tu peux lui dire je t'aime tout court ? Vas-y. Je t'aime tout court. Oui. Tu as une amoureuse, toi ? Deux ou trois. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes, s'il te plaît, Gaëtan ? Ma maman s'énerve contre mon père et mon père, il veut aller au travail tous les matins. Tu sais qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et moi, j'ai une technique. Quel genre de technique, Pierre, tu as ? Je me marie, je divorce. Merci, c'était Pierre, voilà, c'est très bien. Merci. On applaudit les enfants. Est-ce que vous savez qui est cette personne ? Jennifer Lopez. Est-ce que vous en êtes sûr, Christian ? Certain. La réponse est... Yeah. Jennifer Lopez ! Oh, merci, Bonne réponse.
La rue Michel est la bonne réponse. Un excellent moment.